Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediff du Not So Berry. Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, ça, ça commence. La meuf, elle s'est téléportée. Elle était là et elle a fait. Coucou les copains de YouTube. On va pas comprendre là. Ça commence déjà à être le nawak. Donc. Nettoie les chiottes si t'as envie, ça te fait plaise. Pendant que monsieur fait caca. Nous allons déménager aujourd'hui parce qu'évidemment, nous avons maintenant deux chioirs, deux mioches. Et ils peuvent pas trop se partager la même chambre, un garçon et une fille. Donc on va déménager avec le chat. On s'est dit qu'on allait à Willow Creek, puisqu'on n'a pas encore été à Willow Creek. Et puis on va. Soit je vais construire, soit je vais aménager une carcasse de maison. Mais en tout cas, on va déménager, donc on va se bouger les fesses. On va déménager le foyer. J'ai embarqué les cadres des souvenirs des héritiers. Et en avant Guingamp, comme on dit. Alors, nous allons emménager sur ce terrain. On va logiquement, si on les vend, on a 34 000. Si on les garde, on a 13 000. On va pas aller loin, on va les garder pour l'instant. On n'a pas de mur. Et on a un bébé et un bambin. Ça fait peur. Hein. J'ai peur. Je sais pas comment on va. Parce qu'on n'a pas trop de thunes, hein, je vais pas vous cacher. Notre bébé? Ce gosse qui a le bas violet et le haut orange. Ah bah il est là! J'avais pas vu qu'elle était là. Oh, ça va, elle dort tranquille. Bon, alors, on va emménager ici. Voilà, on a 13 000 simflouzes. Qu'est-ce qu'on pourrait vendre? Est-ce qu'on a des trucs... sachant qu'on a des trucs de famille... voilà, quoi, hein, ça... Non, ça, c'est à... Ah si, on a ça, c'est bien. On pourra vendre pas mal de trucs, là. En fait, nos trucs dont on s'en fout, là. Ah bah oui, tiens, hop. Tous les trucs de récompense de carrière, on dégage. Alors, bah ouais, la cafetière, je dégage aussi, on s'en fout. Ça, je m'en fous. Ça, voilà, ça augmente le budget, hein. C'est vrai que comme on a laissé mourir dans leur coin les parents de Lila, nous n'avons pas bah, les trucs qui valaient cher que des autres générations. Donc vraiment, on est un petit peu limité. Un micro-ondes, le Terminator, allez hop, dégage. Ouais. Bah, écoutez, voilà, c'est tous nos biens sont là. On a 16 000 simflouzes pour construire une baraque. Get
Et au bout de 57 minutes, enfin bien 50 minutes, de construction immonde, il s'est chié dessus, nous avons pondu cette baraque affreuse. Ah, je suis désolée par tant de médiocrité. Oh, je me suis pris la... Phrase à ne pas sortir de son contexte visage coquin. C'est ça. C'est une maison absolument affreuse. Mais je n'avais pas d'inspiration. Le salon. Il t'a été une fois les Sims trop tard. Nous avons un bébé qui pleure. La salle à manger. La chambre des chiards. Avec une bébé qui hurle. C'est dommage, je pouvais pas vous mettre plus fort. Qu'est-ce qu'elle fout, Lila, là? Petit frère qui arrive, le grand frère qui arrive. Bonsoir, Quentin est là sans eau chaude. La salle de bain du bas. La cuisine. Non, elle a préféré bouffer. T'as ta gosse qui pleure. Fallait l'appeler Mimolette, elle aurait été calme. Je suis à mon cul. Voilà. Il y a aucune sécurité pour les escaliers, je déteste ça, mais j'en rajouterai plus tard. Voilà, et à l'étage, il n'y a pas grand-chose à voir. Agent 21, QQ Quentin. Maintenant, il y a les fesses. Coucou Quentin, comment tu vas? Tu arrives juste à la fin de la construction. C'est très bien. Construction moche. Mais construction quand même. Si tu veux, toi. Ah bah, enfin, il a rigolé, mais il a vite pleuré aussi. Mais t'entends pas qu'elle pleure encore? Lila, mauvaise mère. D'ailleurs, ça, il faudrait que je... Le harcèlement d'enfants, parce que je vous rappelle qu'il faut avoir. Faut briller dans les compétences avec cette génération. Oh, ça m'énerve. Oh, ça va être bien quand ça s'arrête. Elle est au niveau 7 de l'éducation. Faut au moins viser le niveau 8. Elle y arrivera, mais plus vite c'est fait. Ça, après, ça l'arrêtera de se prendre la tête. Et bah, tant mieux, Lovo Sims. Il est aussi beau que moi, ce gosse, dis donc. Il a pas été relooké encore, le petit chou. Il a pas été relooké, les bichettes. Non, mais il va pisser. Il veut manger, il veut pas boire. C'est pas pareil, hein. Janine. Regarde, il y a plein à manger là. Viens chercher mon petit. Viens. Viens manger comme les chiens. Viens dans la gamelle. Va chercher la gamelle. Va. Eh, va dans la gamelle. Va, Copper. Va la gamelle. Ouf. Ouf. Va chercher la gamelle. Va chercher. Allez. Allez, va chercher la gamelle. Ouais. Il a trouvé la gamelle. Oh, voilà les voisins. Est-ce que c'est des voisins zins? Pourquoi t'es buggée, madame? Chantal Caillou. Elle s'appelle Chantal. La pauvre. Oh putain, les têtes. Oh la vache. Hein? Oh! Mais qui est donc déjà là en train de voir squatter la baraque pour bouffer comme une truie et valiser notre frigo? C'est lavande. Tu peux te changer, toi, de temps en temps? Comment tu... Non, tu peux t'habiller ou c'est trop compliqué, Lila? Voilà, tu peux complimenter la tenue, tu peux remercier. Et c'est une promotion que j'ai pas eu le temps de dire ouf pour notre ami Dan. Donc en gros, on s'en fout, mais c'est Dan qui a quand même été promu. Est-ce qu'on le met opération secrète ou soldat? C'est par contre, il travaillerait de nuit. Il travaillerait de nuit avec opération secrète et de jour avec soldat. Qu'est-ce qu'on met? Mais non, c'est pas agent secret. Ah si, opération secrète, tu veux dire? Mais ça fait un moment, là, vous savez ce qu'ils y sont. Ils doivent faire depuis le début. C'est le même prix. C'est le même salaire. Secrète, soldat... Oh, alors, attendez. Agent secret, soldat. Opération secrète, opération secrète. Opération secrète. Il doit devenir Men in Black. Soldat, secret...
Secret, soldat, médecin, rien à voir. Soldat. Soldat. Secret, soldat. Bon, je suis à 6 contre 6, hein, donc ça va être bien. Ça va être bien. C'est elle. Médecin. C'est elle qui est médecin, Théo. Mais c'est pas une blague en plus. Putain. Secret, soldat, secret, secret. Bon, c'est plus secret, hein. Donc vous voulez qu'ils travaillent de nuit? Comme ça, ils vont plus jamais se voir et ils feront plus jamais d'enfants. Putain, mais. Vous êtes à. C'est égalité, hein? On m'insulte. J'ai vu. Vous me saoulez. Soldat. Non, je vais le mettre de jour parce que de nuit ça va être chiant. Ils vont plus jamais se croiser et tout, ça va être chiant. La modo a 10 secrets. Bon bah tant pis. Je vous demande votre avis. En même temps, ça vous réveille un petit peu, ça vous fait parler. Hey, salut, salut les voisins. Salut les voisins. Mon ce pauvre gosse il pue, hein. Asie, je me tire. Va pisser, Gertrude. Tu iras laver ton gosse après. Puis il faudra qu'on le reloue que le petit, hein, parce qu'on l'a pas. Je vais le faire avant de qu'on fasse la maison, mais on n'a pas le temps. Comment qu'on n'ait pas écouté? Non, vous étiez à égalité, hein. Et en plus, Théo a 10 soldats et c'était limite la mage, en fait, la majorité de soldats. De quoi, Chippendales? Qu'est-ce que c'est quoi? Voilà, toutes les places. Qu'il est beau, regardez! Je vois que le gosse, 720p hein. Je bug autant que les clignotants de ma voiture. Faire des grimaces. Va pisser. Lila! Tiens, toi, tu pourras faire la vaisselle. Ouais, enfin. Tu parles à qui, toi? Ouais. Ouais, je crois qu'elle est folle. I think she's crazy, you know. Thinking of it, it's crazy. Crazy. I think she's crazy. Ouais, je sais, je chante mal. C'est rien que pour vous. Ouais. Bah si elle est ban pour rien, moi j'enlève les power, hein. C'est comme ça aussi, hein. Je peux vérifier tout ça, moi, s'il y a du drama. Vous voyez, il y a du drama qui se joue sur le chat, les enfants. Vous pouvez venir sur Twitch, hein, on mord pas. Enfin, d'habitude. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont un peu énervés. Il est beau, mais n'arrive pas à la cheville d'Ayo, hein. Ah, mon mari vient de me taper. Alors, t'as même écrit... On aime le drame. Et Ayo... Ayoa. Ah oui, remarque. T'as mis une lettre de trop, t'as mis un A de trop, mais sinon ça passe. On aime le drama, c'est ça. Bon, t'augmentes ton éducation? Ouais, elle augmente son éducation. Bon, on en est où? Parce que elle, on est à 3 compétences sur 6. On veut juste ban mot soldat, sinon on est qu'un masqué. Pourquoi vous voulez la ban? Elle a rien fait, la pauvre. Voilà, il a changé ses fesses, le bichon. Alors, il est où le... Bien sûr, j'ai pas mis de miroir en bas. Demain, promis, je vous bande tous. Visage romantique. Visage bisou. Un visage bisou. Est-ce que tu peux te prévoir une tenue? Je suis sûre que tu peux pas. Ah, mon Dieu! Oh non, nous portons des sacs! C'est quoi les plans de quartier dans le coin, là? Je sens qu'on va encore avoir de la merde. Bah, c'est trop tard! Ils viennent de dire que c'est porter les sacs. Bah, moi, je porterai pas de sac, hein. Rien à foutre, hein. On va aller, ouais. Qu'est-ce que tu fais, Jacqueline? Viens parler aux gens!
Qu'il est beau! Mais regardez ce beau costume! Oh là là, il impose le resprout hein, quand même, hein, ce petit. Bon, il va nous ramener du pognon hein, quand il ira bosser, hein. C'est au moins ça. Maintenant qu'on a une baraque. Alors, sacrée facture, moi je te le dis. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il joue avec son coin-coin! Et déambuler, mon petit. Ça patouille. Alors, attends, on en est où? Moi, je sais plus. Hein. Oh, on peut tricoter par niveau. Vous savez que c'est la première fois que je vois ça. Alors, nous avons déjà tricot, cuisine et peinture au niveau 8. Nous allons taper l'éducation et le charisme. Le charisme aussi. Qu'est-ce que tu... Elle s'ennuie, mais vas-y. Mais elle raconte des blagues, je sais pas. Des chemis. Non, pas un petit prêt, quoique. On te remboursera dans une autre vie, mais. Parce qu'il y a eu le harcèlement, tout ça. Il me fait toujours beaucoup. Le harcèlement de. T'as vu, t'es bien habillée? Oh, ce que t'es bien habillée? Oh, je t'ai dit en fait que t'étais bien habillée? Magnifique, merci pour ce prout. Quentin. Merci beaucoup pour le prout, Quentin. Bon appel au voici. Oui, faut que je le relook, le petit. Oui, bien sûr. Ah, mais ça y est, c'est aller faire. Il sait se déambuler, il va pouvoir aller. On a une dame à moitié nue dans la maison. Hein? Oh! Et la petite sœur! Elle arrête pas de se chier dessus! Automne, ça va pas du tout. D'ailleurs, le harcèlement quand même a bercé, dodiné, parlé. Harcèlement en spécial enfant, hein, vous savez bien que. Il n'y a que comme ça qu'on améliore nos compétences, hein, éducation, tout ça. Serré dans les bras. J'espère que vous aimerez le cake aux fruits. Oui. Oh bah. Aïe. Coup dur pour Guillaume. Mais on y a sa nana qui augmente son nombre de bannes. Et lui qui tape dans le truc aux fruits. Et il n'aime pas. Madame, vous pouvez partir maintenant, vous êtes nue. Le look est franchement. Entre les. Les baskets, les chaussettes. Ça peut passer. Les collants. Après, ça se gâte en soutif avec. Un collier avec sifflet. Vert fluo. Ah non, non, mais à un moment donné, ça fait peur quand même. Hein. Mais oui, tu vas les niquer avec ton homme après. Vas-y, occupe-toi de ta gosse. Ils vont faire crac-crac, ils vont nous faire un petit troisième là. Ah, c'est ça, salut les voisins, à bientôt. Toi, je t'ai dit de monter, en fait. Hein, hein sexy lady. Ah oui, très. Alors, tu peux pas encore aller sur le pot. Tu peux pas aller là? Bah, t'as descendu les escaliers. Qu'est-ce qu'il fait? Laisse ton gosse tranquille. Laisse. Ce pauvre gosse, il va pas savoir se. Vas-y, chie-toi dessus. Faut pendre une molette. Ou pas. Offre-lui un pull tricoté par Laila. Lila, par Laila. Je crois qu'on les a pas. Mince. Qu'est-ce que j'ai cliqué? Gestionnaire des tâches. Non, on s'en fout. Allez, vous allez me. Allez. Direct. Parce que là, elle en peut plus. Shame! 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 Ouais, j'avoue. C'est la honte. Hey! 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 Ben voilà! Mais il s'est marché dans les escaliers! Mais pourquoi il prend pas cet idiot de gosse de mes fesses? Ça va, mon chéri? Allez?
Encore avoir une petite sœur? Un petit frère? Allez, viens, Jean-Pierre. Viens là. Viens te casser la gueule dans les escaliers. Ouais, bah t'iras dormir après. Je vois pas que tes parents ils sont occupés à faire la bête à deux dos. Ah bah ça y est, c'est fini déjà. Eh, ça fut rapide. Allez hop, petite. Eh, oh! Travail, hein? Elle vole la télé sur le pouf. Bah oui, parce que j'ai dû la monter. Donc j'ai fait au pif, mais. Qui c'est qui travaille dans le rayon fromage? Salut Nemelziel! Je suis un poil perdu, donc Lila a déménagé et tout. Ouais, elle vient de déménager, je viens de finir de faire la maison. Donc là, on commence à jouer dans la maison. Et on va voir le petit bout de chou, là. Avec ses grands yeux. Et on va le relooked. Pour la génération orange. Voilà, 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 voilà. Moi, je choisis toujours les trucs comme ça, hein, faut pas déconner. Babou le hibou. Oh le petit costard. Trop mims. Le petit coscos. Ouais, il est parfait comme ça ce petit. Il est choupi hein ce garçon. Super. Nickel. Ouais c'est à peu près la même tenue. C'est trop rouge. D'accord, je sens que ça va être compliqué de choisir une autre paire de chaussures. Bon, ça c'est bien. Oh, il est trop coucou, youpette. Regardez-moi ça. Regardez ses beaux yeux, comment ça ressort bien avec ses cheveux. Oh, il est beau. Regarde à quoi il ressemble. Hein. Je vais vous laisser, je vais dodo. Du coup, monsieur Théo va partir aussi, j'imagine. Donc, je dis au revoir pour lui, lol. Des bisous. Lave hôtel cœur bleu, suçon. Des bisous, mon soldat! Il est 21h quand même! C'est tôt pour dormir, non? Bon, après, vous faites ce que vous voulez de votre vie, hein! Vous avez plus 5 ans, mais bon. Bonne nuit quand même, des bisous! Et bisous à Théo, alors. Je suis arrivée à temps pour voir le reliquing du petit copper, exactement! Ouh, il a une belle jupette! Faites-moi voir en entier ce qu'il a. Bien ça. Oui, je vais partir aussi. Des bisous les enfants. PS Sophie, tu es un bébé. Visage tirant la langue. C'est ça, oui, c'est cela. Eh bien, des bisous les enfants. Ouais, non, pourquoi je lui mets un pagne moi aussi? C'est non, bah non. Pff, ouais, c'est un garçon, il va faire la guerre. Affreux. De toute façon, on verra jamais dans ces fringues-là, donc vous inquiétez pas. On n'a pas de piscine, donc on, à la limite, on s'en fiche de la couche qu'il va avoir. Voilà, on va mettre une couche comme ça. Temps chaud. Voilà. Super. Temps froid. Bah, il a déjà tout compris, il est déjà en orange, ce petit... On va y mettre ça. Oh, regardez comme il est classe, cet enfant. Un petit. Oh, c'est un petit renard. Oh, c'est un petit renard. Peut-être mettre du blanc, parce que j'ai pas trop envie de tout orange comme ça. C'est pas forcément très jouasse. Ouais, c'est moche. Il est trop cute! Oui, il y a beaucoup de choses moches. Je suis d'accord avec vous. Allez, un petit bonnet de meuf. Allez, pour le kit tricot. On a fait ça en orange exprès pour nos gosses orange. Et on va relooker la petite Lila. Parce qu'on s'est dit que maintenant qu'elle était mère, elle allait avoir une nouvelle coupe de cheveux. Elle va s'assagir. D'une femme responsable, tu vois, la pondue des gosses, ça y est, elle a une révélation. Lilo Dallas Multipass, oh, ça lui va trop bien.
J'allais mettre la coupe qu'elle avait pour son mariage, mais en fait, bah, je suis en train de me dire, je vais mettre celle-là plutôt. Alors, celle du mariage, c'était celle-là. Vous préférez laquelle? Mariage ou pas mariage? Il y a un petit bug hein, ici. Mais... Frange ou pas frange? Celle du mariage? Bah, vous êtes mariage hein, quand même. C'est celle-là, hein, celle du mariage, hein. Regardez comme elle était belle. Pff, ce body. Ça dégoûte! Après ces mariages, j'ai peut-être un peu trop distingué pour un look de tous les jours. Ouais, mais une frange, ça pousse pas au hasard quand même. Donc elle peut pas avoir une frange et après plus de frange, tu vois, c'est un peu. Bon, il y a des rajouts hein, qui se font dans la vraie vie, mais. Merde, j'ai perdu. Elle est où? Je ne la trouve plus. Pourquoi il me l'a pas mis sur cette truc? Quoique là, je devrais limite les faire attacher. Hein. Hola, ma chérie, cœur violet, cucu le chat, Ah, ça. suçon. Ouf, ah, c'est vrai qu'elle avait ça comme tenue. Ça va, Martial? Nickel. Nickel. Et nickel. Voilà! Fait pas de grand chose, mais elle a changé de tête un petit peu. Oui, la frange, ça fait plus rock. Mais aux étés, mais la masse a tranché pour dire celle de la coiffure du mariage. On est parti sur la coiffure du mariage. Moi, ça va et toi? Porter plainte, pourquoi? Qu'est-ce que vous racontez quand même? Qu'est-ce que vous racontez? Non, j'aurais pu mettre celle-là, hein, mais ça fait trop d'âme. Alors que celle-là, elle y va super bien aussi, hein. Allez, c'est validé. Je vais assommer mon fils. Mathéo veut faire des cochonneries avec mon soda alors que c'est qu'un bébé. Bah, c'est eux qui décident, hein. Vous avez... Attendez, là, je sais plus. Le petit il va aller se coucher. Je l'ai pas reconnu sur le coup, il était roux. Vous avez remis ça? Bah, vous y retournez. Quelle grande maison. On va voir la chambre. Elle est pas très fournie. Elle n'y a même pas de plantes. Les cadres! Oh, ah, ouh, oh, oui, oh, yeah. Ouh, yeah. Alors, les cadres de nos héritiers poué, ici. Bordeaux. Il n'y aura pas assez de place. Nunu. Pepper. Pulcote. Pas assez de place. Et Lila. Ah, oh, chiale, la gamine. Ça y est, là, ils ont vraiment mis et remis ça. Hein. Voilà. Ouais, c'est l'amour. Hein. Ah, ils pondent des gosses hein, maintenant. Hein. Ils s'arrêtent plus. Hein. Lila! Qu'est-ce qu'elle veut? La connexion commence à être caca, pleurez, pleurez, je vais devoir vous laisser non saine, avoir le cœur lourd, les amis, soyez sages, agent 21, boule, agent 21, boule, agent 21, boule, agent 21, boule, agent 21, boule. Et oui, elle est très musquée, bah parce que j'essaye de faire monter son fitness.
pour atteindre au moins le niveau 8 pour son aspiration. Ah oh, putain, il arrête pas de se chier dessus, lui. Laisse tomber. Allez, va dormir. Zafo. Par contre, toi, tu vas aller bouffer aussi, hein, cocotte, après. Et tu vas être lavé. Ça pourrait être intéressant. Ah la vache. Ouf, était violent celui-là. Là, l'ordinateur. Je prendrai un morceau. Oups. Ah oui, c'était ça les. Ouais, bah, tant pis, hein. C'était ces trucs-là. Elle est pourrie cette baraque, elle est vide! Ah, c'est nul! C'est trop moche. Mais bon, c'est comme ça. Ça fait bizarre de l'avoir avec les cheveux un peu plus longs. Des bisous, Harry! À bientôt! On arrive au niveau 8. Oh, Noubou! Regardez ça! Regardez ça, on est à 2%! Ah, non, tu reviens. Tu reviens. Tant pis pour... Oh putain, elle s'est chiée dessus, elle aussi. Elle est à l'image de son fils. Elle s'est chiée dessus. Non! Va la dodeliner, ta gosse. Je veux les... Allez, vas-y, dépêche. Niveau 8, niveau 8, niveau 8. Niveau 8! Oh, quatrième! C'est une quatrième petite... je ne sais plus parler. Putain, j'ai un trou. J'ai pas mis de toilette. Oh, fuck. Allez. Est-ce que t'es enceinte ou pas, là? On peut pas vérifier. Le pauvre bébé, il doit pas... Oh, regarde, mais vas-y, lâche-moi, tu pues. Allez! Allez, va pisser. Dis-nous si t'es en cloque ou pas. Et c'est un... Oui, bah t'iras après. Oui! C'est un oui. C'est un oui. Le bébé 3 est en route. Au bout de 3 fois en même temps, il fallait s'en douter. Qu'est-ce qu'il a? Non, tu fais une sieste. Commence pas. Et toi, t'as un radar à gosse ou quoi? Non, on s'en fout. Va te laver. Tu lui diras plus tard. L'enfer. Elle est contente. J'ai oublié de mettre ta toilette ici. Vous avez ce coup, il n'y a plus personne qui parle. Hein. Ça, c'est... c'était le bordel. Heureusement, il y avait deux personnes qui mettaient l'ambiance. Là, ils sont tous morts. Ils sont pas contents. Je vais la faire avorter. Elle va dormir. Avec un peu de chance, tu pourras dormir vraiment. Parce que la semaine dernière, c'était pas ça. Hein. Oh putain. Elle gagne 3 flèches. C'est incroyable. Lila est réparée. Son sommeil est enfin réparé. Alléluia, Jesus. Putain, t'es relou, toi, en fait. Et t'es relou, Auton, hein. T'es relou. Tu iras dormir toi après. Je crois qu'elle a pas aimé le cake, mais on s'en fout. Tu en droit te coucher d'eau. Il est mignon tout rouquin le petit chou. Moi je suis là incroyable. C'est bien, je suis toujours là, très bien. I'm no dead. Je profite de Broly, ça va. T'as encore un peu de temps avant l'hiver. Hein. On n'est même pas encore à l'automne.
Comme toi, je dors très très mal en ce moment, je commence à piquer du nez. Ah oui, je comprends. Ouais, 21h. Hein. Bah, elle peut pas être blonde, hein. Enfin, ou si, parce que le violet, elle peut pas l'avoir, mais. En tout cas, elle sera quand même rousse, hein. Quoi qu'on en dise, elle sera rousse, hein, ça c'est sûr. Elle est couchée, Cooper, hein. Ça suffit, hein. Ah là là, un petit bébé! Un petit bébé orange. En tout cas, Dan a... Merde. Oups. Dan a vieilli, il est devenu adulte, ne vous inquiétez pas, il est encore baisable. Ah, il a déjà... Bon, bah écoute, tu peux aller manger épicé, hein. Oups. Je sais plus ce que je disais. Si, oui, le fait qu'on ait un garçon, une fille, c'était pas arrivé depuis, je pense, la première génération. Et la génération rouge qui était Coquelicot et Bordeaux, on avait fait deux enfants, donc on a eu une fille et un garçon. Parce qu'après, on a eu qu'un garçon qui était Pulco. Après, trois filles, la génération grise, puis encore trois filles. Donc ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un garçon, une fille dans la même génération, quoi. Voilà, c'était pour dire ça. Je sais même pas si elle bosse, parce que elle a un boulot de merde. Travaille dans 3 heures. Tu peux prendre un jour de congé? Elle a encore 3 jours de vacances! Vous croyez qu'on va faire quoi? On va appeler le boulot et prendre un congé pour raison familiale. Parce qu'elle est en cloque, ouais, qu'est-ce que tu crois? C'est génial! On va le faire avant parce qu'après elle pourra plus. Vu qu'on s'en fout de qu'elle elle atteint ou pas un niveau de carrière, eh ben elle en profite pour être en vacances. Hein. Sachant qu'après, quand elle deviendra adulte, il faudra qu'on change de métier. Mais elle aura pondu tous ses chers, donc ce sera bon. Elle pourra y aller. Est-ce qu'il vient faire mieux que ça? Oh putain, elle gueule encore, elle. Bon bah, papa, tu vas venir t'occuper de ta chiarde, hein. Allez. Maintenant que. Bah, on a eu le niveau 8 qu'on voulait, hein, avec Lila. Je vous rappelle que la semaine dernière, elle était à 0. On est déjà au niveau 8 aujourd'hui. Oh punaise, Minnie est morte! Minnie est décédée. C'est la petite sœur de Nuage. Voilà. Lui, il mange et puis après, il retournera se coucher. Punaise. Qu'est-ce qu'elle veut, cette gosse? Voilà. Prune Mercier! Notre prunette! S'est mariée. Ah! Ah bon? Alors, on va aller voir. Mais Perle aussi, elle est morte! Perle de la Cruz. Lavande. Eh ben non, mais elle, par contre, elle s'est mariée, Prunette, avec Christian Mercier. Mais oui, ce n'est pas sa fille, évidemment. Elle n'a pas encore eu d'enfant. Et lui, il l'a eu avec Marina Charme. Une histoire ancienne. Ça va, Prune s'est enfin trouvé un mari. Sans notre aide. Donc, c'est très bien. RIP Mini. Tu me l'offres, Lovo Sims? Je veux pas que Star Wars. Et ouais, Rest in Peace Mini. Fallait bien qu'elle parte aussi, celle-là. Alors, s'entraîner à faire un discours. Ah bon? Oh. Non, mais j'ai pas mis de. Mais je suis un peu bête aussi. Si, j'avais pas mis un miroir. Ah merde, excuse-moi, Bordeaux. J'avais pas mis un miroir. Eh. Ah! Je sais pas pourquoi je fais des bêtises comme ça, moi. C'est utile un miroir. Voilà.
Ouais, si je mets pas sur play, on va pas y arriver. Lila, elle travaille pas. Elle va dormir jusqu'au bout là. Elle va bien la. Voilà. Et puis une fois qu'elle sera levée, on a 24 heures pour payer les factures. Ah oui, il nous coupe déjà l'électricité alors qu'on a emménagé en fait. C'est vrai, j'ai oublié qu'il fallait qu'on avait reçu les factures au moment de juste avant, on était au lundi matin quand on avait quitté la partie. Allez, va bosser. Eh bien, on vient à peine d'emménager, il nous coupe déjà le jus. Les enfoirés. C'est eux qui font plouf. Yeah, tu pourras aller faire un petit pipi. Oh là là, Nox, il a pris un coup de vieux, hein. Oh, Mazette. Oh, et elle rechiale. Oh, la relou! Non, mais Copper, il arrive pas, hein. Il arrive pas à dormir, le pauvre. Vas-y, empile pendant ce temps-là, mon petit. Elle arrête pas de gueuler, cette gamine! Je triais mes modes pas à jour. Comment tu sais qu'ils sont pas à jour, Pearl? Bonjour, toi! Bonjour, Pearl, déjà! Je t'ai pas dit bonjour, je pense. Comment tu sais qu'ils sont pas à jour? Oh la vache! Oh non, qui c'est qui est mort? Nunu! C'est Nunu. Je crois que Nunu est décédée. Ah non, elle est encore là. Je sais pas, ça a sonné d'un seul coup et puis en fait. Pourquoi je bip là tout le temps depuis tout à l'heure? Ouais, y a tout le monde qui se met à faire des lives en fait. Tout le monde veut live, live au live vu. La 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 la. Attendez. Dans la famille de Dan, peut-être. Ouais, c'est possible. Elle aime pas ça, mais elle y retourne, hein, la coquine. Bon, alors, et en plus, ça va bientôt vieillir. Mais là, comme elle est enceinte, c'est un peu stoppé. Oh, elle remonte bien son truc. On va passer donc à la prochaine. J'ai cru qu'elle était en train de rechialer. Allez mon petit, va profite d'aller dormir pendant que ta sœur elle roupille. Donc prochaine, c'est le charisme qu'il va falloir monter. Il y a encore pas mal de taf. Après, il y a la logique, le bien-être. Bon, ça, le bien-être, tant qu'elle est enceinte, elle ne peut pas. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sachant qu'on doit en avoir 6 au niveau 8, mais 2 à niveau 10. Et en général, les gens, enfin en tout cas, je ne sais pas. C'est à part. C'est à part. Après, si je monte par exemple le tricot et la cuisine soit à 10, ben j'augmenterai 2 autres à 8 par exemple, vous voyez? Parce qu'après, moi, je ne peux pas l'empêcher de faire autre chose, ou ne serait-ce que d'éducation et tout le bordel. Ça va forcément continuer à monter. Donc, charisme. Charisme, miroir, miroir, discours. Ouais, t'es très intéressant, elle va faire ça toute la journée. Bon, au moins, ça va monter. Ah non, Nuage nous a fait des pranks. Mais en fait, j'ai pas eu le temps, ça a sonné chez tout le monde. Et quand j'ai cliqué, ça c'est parti en fait, donc je sais pas. Mais sinon, c'était pas Nuage. J'ai cru, mais. Bah, elle a eu que deux grossesses, hein, Nuage. Elle n'est pas non plus une grosse warrior. Hein. Elle a que 6 jours de bonus. Hein. Bien net, il n'y a pas de posture qu'on avait vu. Qu'elle... Ouais, si, si, elle peut faire que deux postures, mais ça va être long, quoi. Parce qu'en plus, il faut que je reclique en permanence à les faire. Donc là, on va faire le charisme, parce que c'est le plus haut. C'est pas ce qui monte le plus, mais là, 33. 34. Ça devrait aller, on devrait le taper, le niveau 8. Ouais,
C'est vrai que les plus simples, de toute façon, c'était cuisine, éducation, tricot. On y est quoi. Alors tu vas travailler dur. Ah oui, c'est lui qui perd un parent. Bah oui, c'est oui, bah oui. Oui. Il a perdu ses parents, le petit. Zut. Pas de soucis, Lobo Sims, bientôt. À bientôt, je veux dire. Si tu fais se motiver, elle sera confiante, augmente plus vite la compétence. Salut, Okimi! Merci de cette petite info. On va essayer. Se motiver. Spinocchium? Allez. On est déjà à 45% et la gamine repleure. Il me plaît ces gosses. Ça faisait longtemps ça m'avait pas cassé la tête, hein. Bon bah va retourner bouffer une part de trucs aux fruits. Toi tu dois aimer en plus ces trucs aux fruits. Là, il y a des vraies parts là. Qu'est-ce que tu vas manger les restes là? Il est con ce gosse aussi. C'est bon? Allez, donne-lui le nichon aussi, comme ça elle va pas nous casser les pieds. Et tu vas te re-entraîner à faire un discours. J'adore imiter les gamins. C'est la saison des bébés en ce moment, non, mais challenge. C'est toujours en même temps. Ça tombe toujours en même temps. J'espère retravailler très vite pour m'abonner à toi. C'est gentil, Mina. T'es pas obligée, hein. Ne serait-ce qu'être là, déjà, ça fait plaisir. Oui, après, je refais un discours, tout à fait. Hein? Hein? Ce pauvre gosse. T'es fatigué? Oh non, ça va, il a dormi un petit peu quand même. Il veut de l'attention. Ouais, bah. Tu peux essayer de parler de qu'est-ce que c'est à ta petite sœur. Babiller, qu'est-ce que c'est? Faire un câlin. Qu'il y a dans le bidou? Le nouboue! On reste jusqu'à la naissance ou pas? Est-ce que vous voulez la naissance aujourd'hui? Est-ce que vous votez? C'est ça qui vient. Et tous ceux qui ne sont pas là ont tort. Et coucou Fanny! J'ai encore tout raté comme d'hab. Je regarde à la redif pour changer un peu. Bon, il va y avoir une grosse partie de. On fait une maison moche. Alors, t'en es où, Jacqueline? 56%. Tu comptes comment faire de bébé pour cette génération? Bah là, 3 grossesses, c'est pas mal. Après, on va voir ce qui sort de la dernière, quoi. Si c'est encore un garçon, je veux pas te cacher que je voudrais encore avoir une fille, au moins pour avoir le choix. Parce que... Après, le garçon peut être très beau, hein, mais bon. Et en tant qu'on n'a pas eu de garçon en héritier, on l'a sur le legacy, c'est déjà... Voilà. Oui, la naissance sera mon premier... Ah! On verra s'il n'est pas trop tard. Ah ouais, je suis mort de rire aussi, Lila. Approu? 60%. Vous passez autant de temps devant votre miroir pour vous entraîner? Ouais. Et lui il dort dans le bain. Tu vas cuisiner. Non, il y a plein de trucs dans le cuistot, j'allais dire n'importe quoi. Dans le frigo, il y a plein de trucs. Tiens, va manger ça. Ouais, va manger. Et toi, tu vas sûrement pas jouer
Regarde, oh papa, tout nu dans la baignoire. Oh, il a une grosse saucisse, comment ça se fait? Et on choisit l'été comment pour cette génération? Oh bah, on n'y est pas encore, hein. Pff. Oh putain, je me suis fait piquer vénère là! Mais genre là, quoi! Ah! Saloperie de moustique de ses morts. Mais arrête de vouloir bouffer les restes comme ça! Pauvre gosse! Si tu veux, j'ai la gamelle! Regarde, viens manger la gamelle. Oh putain, arrête avec ton gosse. Oh, tu me saoules. Dès qu'ils ont. Tiens, viens manger la gamelle aussi, toi. Dès qu'ils ont un bambin, c'est un enfer. Il va prendre un main, je sais pas. Lila? Dis-lui que t'es en cloque, comme ça il sera peut-être content. Il a perdu son père ou sa mère, j'en sais rien. Il va être content. Ça, il va dire, oh, on fait une bonne nouvelle. Une vie s'en va, une vie arrive. Et dis-lui, flatte-le, déjà qu'il est bien habillé, tout ça, parce que bon. Oh, Prita. Awaxenex. Yumba. T'es bien habillée aujourd'hui. Oh, merci. Elle va bosser son charisme maintenant qu'on y est. Un petit peu de. Même si on a la peinture, tout ça. On est déjà niveau 8, mais bon, si on peut le maxer. Oh, pour dire non, hein. Quand même. Le Bordeaux et Pulco, personne pour aller les agaler? Ouais, j'avoue. Concours du plus gros mangeur de tarte à la citrouille, ça existe ça? Pourquoi tu as mis le bébé avec le bambin et non pas dans la chambre des parents? Parce que après, quand il sera bambin, il faut qu'il mette 3 ans avant de grimper les escaliers. Et j'aime bien mettre les bambins et les bébés en bas. Voilà. J'avoue que le bébé c'est chiant avec le bambin parce qu'il arrête pas de réveiller, mais le bébé avec les parents il arrête pas de réveiller aussi. Et là il faudra aller monter tout le temps pour aller. Donc c'est dans les deux cas c'est chiant. Que je vais regretter comme pour la compétition sportive. Ah! Et j'ai le nez qui bouche là. Covid les enfants. J'ai pris le bus hein, il y a du monde. Hein. Cette bouille! Mon papa dépêche de manger! Et je veux que tu me fasses un bain, mon papou! Alors que bon, ton fils il a pas les mêmes cheveux que toi ni les mêmes yeux, donc on sait pas avec qui il a été fait. Par contre, chérie, ils sont du facteur car ils sont tous roubins. Voilà, c'est. C'est exactement ce que je venais de dire. Bah, Lila, elle peut dire qu'elle est rousse, hein, en vrai. Qu'est-ce que c'est pas naturel comme couleur, hein. Divertissement. Oh, ça va, elle vole un peu, hein. Il y a pire, hein. La télé, elle vole un peu, ça va. Regarde, elle vole plus. Que tu peux faire faire un peu tout ça, mais bon, ça a augmenté pas des masses, mais c'est toujours ça. Allez, c'était super comme film. Waouh, j'ai adoré. Regardez-moi ce petit loupio. Il est tout mignon, tout rouquin. Ah, moi j'aime bien les roues hein, quand même. Alors, il doit pisser, papa. Ah mais papa, il va servir. Maman, elle a tellement de choses à valider dans son aspiration, dans sa génération que papa, il va s'occuper des gosses. Hein. Maintenant qu'elle a son niveau 8 en éducation, les gosses, elle s'en sert plus. Hein. La mère indigne. Pardon. Je vais aller aux toilettes! Avant qu'il se fasse dessus, ce pauvre gosse.
Ça va, Lila? Souvenez-vous quand elle venait d'aménager dans son petit appart pourri, là. Elle avait fait du yoga aussi. Niveau 2 de compétences peau, waouh. Bon là, on la voit de dos, mais elle a un joli fessard quand même. T'en profiter, non? J'ai entendu un paix. Qu'est-ce qu'il en fait comme bruit Ah, ça c'est notre fils. Il fait caca. Il est content. Mais il a de la moustache aussi, comme sa grand-mère. Tu me diras, pour un garçon, ça va encore. Mais rien n'est moi ça. Cette tête. Cette tête. Bah, t'es fatigué, va te coucher, chou, hein. Mais va t'occuper de ton cul, toi. Pourquoi il pleure? Ah oui, parce qu'il a perdu son père ou sa mère. Pardon. J'y pensais plus. C'est pas une raison pour pleurer, voyons. Oh là là. Bon, il est plus heureux que malheureux quand même. Hein. On a oublié son anniversaire. Il y a son daron, sa daronne qui est mort. Il s'en fout. Il est content. Ah, je vais avoir un bébé. Par contre, ça me dérange qu'on te voit pas. Hein, voilà. Tu me stresses. Oh! Ayowa! Ayowa, il y a quelque chose à creuser. Est-ce que ce pauvre petit copeur va pouvoir passer enfin une nuit tranquille? On ne sait pas. Arrête de te mettre dans tous les sens. T'augmentes au moins ton truc? On va bientôt arriver au niveau 6. Allez. Lila. Allez, Lila. Si ça va pas, tu t'arrêteras. Poil au bras. Allez. Le pauvre gosse, il se vaut, bah, je vais jouer au cube. Ma soeur, elle me fait encore chier. Non, moi, je vais jouer au cube. Pensez que si je bouge encore le tapis, il va encore ressauter en disant qu'il a grandi ou pas. La semaine dernière, ça n'arrêtait pas. Parce que si on la nourrit, dans 5 minutes, elle chie. Hein, donc, il vaut mieux qu'il reste dans le coin. Dan, parce que... Il y a 1h du mat, j'avais pas vu. Non, dormir, ça veut pas dire bambin. Ouais, j'ai le nez bouché. Un peu. J'allais dire, ça y est, elle pue, mais en fait, c'était l'odeur de Lila. Oh là là! Oh là là, niveau 6! Qu'est-ce que c'est que ça? Acheter un tabouret de méditation. En mode construction de... Ah! Oh! Bah écoute, va te prendre un bain de mousse, hein.